Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a foulé le sol de Goma. Ce lundi, dans la province du Nord Kivu, la population du coin divisée, l'on signale des niveaux de tension. Interpellation du ministre de décentralisation Azarias Roubéroy sur le dossier Minembwe, la quintessence de cette interpellation par l'honorable Moindo Nzangi au micro du Vrai Journal. La Banque centrale du Congo sur la voie de la transparence pour la première fois. Elle dévoile sur son site internet l'audit financier de 2019, analyse du rapport d'audit dans le Vrai Journal. Cap Congo central, la ville de Moanda a vibré au rythme du congrès de l'UNBC. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Visite du chef de l'État dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. D'abord confirmée, retardée, annulée, puis reprogrammée. Enfin, ce lundi, le chef de l'État a atterri dans cette ville meurtrie pour communier avec une population désespérée. Sur place, il sera question d'évaluer la situation sécuritaire. Regardez. La ville de Goma divisée pour accueillir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Si à l'aéroport, une foule a fait son déplacement, comme démontre cette vidéo amateur. De l'autre côté, sur la route allant vers Trois Payottes, on constate une vive tension en rapport avec son arrivée. Les manifestants ne sont pas d'accord à sa descente à Goma sans Vital Kamerhe. À Goma, c'est Vital Kamerhe ou rien. La population refuse. La jeunesse ville de Goma, la jeunesse Nord Kivu, refuse que Félix Tshisekedi arrive à Goma sans son directeur de cabinet. Le baptême de Minembwe en grande pompe, officié par le ministre de décentralisation Azarias Roubéroy. L'honorable Moindo Nzangi, député national et élu de Beni, veut des explications claires auprès du ministre de décentralisation quant à ce. Au micro de Jocelyne Laurent et Luzon Kiasi. Suivez. Pour l'honorable Moindo Nzangi Butondo, le ministre de la décentralisation Azarias Roubéroy doit s'expliquer sur l'installation du bourgmestre et l'érection de Minembwe en commune rurale. Tous les documents que nous avons et les PV que nous avons au niveau de la province de Sud Kivu, Minembwe n'a pas reçu les avis. Il est allé introduire cette commune de manière frauduleuse dans le décret signé en 2013 par le premier ministre Matata Ponyo. Et en 2015, à la suite de la réclamation de toute la population et des chefs coutumiers, le gouvernement avait voté la surséance de ces décrets-là. Et donc, lorsque le ministre de la décentralisation, Azarias Roubéroy, a fait part des raccordements frauduleux pour aller arriver à la désignation des bourgmestres de cette commune-là et aller jusqu'à l'installation, nous estimons qu'il a posé des actes qui nuisent à l'honneur et à la déontologie des ministres. Et des deux, le ministre Roubéroy a une histoire dans ce pays. Il a été président du RCD. Et en tant que président du RCD, il avait créé le territoire de Minembwe qui avait été contesté par toute la population puisque ça avait été créé sous l'influence et la force de la République du Rwanda. C'est pour cela que nous disons qu'ayant cet antécédent, il ne pouvait pas créer de manière frauduleuse cette commune. C'est pour cela que nous demandons qu'il vienne par cette interpellation, qu'il vienne à l'Assemblée nationale nous dire les motivations de ces actes et nous allons participer au débat et poser des actes qui sont de notre devoir. Par ailleurs, ces députés nationaux demandent l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour instaurer la paix dans ce coin meurtri. Je crois que le président de la République est au courant du débat qui se fait. Je vois maintenant que les évêques sortent du lot et ils demandent
que l'on retire le bourgmestre qui a été installé. Et je crois que c'était un débat national. Le président de la République a intérêt aussi de suivre le débat national. Il va de son intérêt à lui de remettre de l'ordre très rapidement à la maison, puisque cette question-là, elle menace l'unité du pays. Et des protestations continuent quant à la création de la commune rurale de Minembwe-Fizi dans la province du sud de Kivu. Pour Monseigneur Sébastien Muyengo, plus que le programme de son jour, l'érection de cette commune est un test pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Des détails dans cet élément, suivez. Réagissant ce lundi au cours d'un point de presse à la paroisse Sainte-Anne sur l'installation officielle des autorités administratives de la commune rurale de Minembwe, Monseigneur Sébastien Muyengo lâche. Pour nos populations, la commune de Minembwe est le dernier coup de maître après l'échec du pouvoir du Rassemblement pour la démocratie, RCD en sigle, d'obédience rwandaise à l'époque de créer tout un territoire dans la province pour nos frères Banyamulenge, identifiés comme des Congolais d'origine rwandaise et d'ethnie Tutsi. Hier, c'était la question de la nationalité. Aujourd'hui, c'est celle de la terre. Que dit le président de la République à ce sujet? Plus que le programme de son jour, le problème de la commune de Minembwe constitue un test pour le chef de l'État. Nous craignons que s'il laisse faire le cas de Minembwe, le processus de démembrement du pays ou de ce que l'on appelle balkanisation soit amorcé avec sa complicité, a ajouté Monseigneur Sébastien Muyengo. Visiblement, là où le gouvernement pensait résoudre un problème, il vient d'en créer plusieurs. Des consultations préalables auraient permis de dégager un consensus nécessaire à la meilleure applicabilité de ce décret de 2013. Le baptême de Minembwe, officié par le ministre de la décentralisation Azarias Roubérois, a heurté nombre de susceptibilités. Pour l'ancien ministre du Développement Rural Justin Bitakwira, le ministre de la Défense a posé un acte de haute trahison. Ce notable du Sud qui vous dénonce, c'est qu'il qualifie de complot contre la République démocratique du Congo. Protestant contre la création de cette commune à Fizi dans le sud Kivu, l'honorable Délice Sanga révèle. L'installation de la commune rurale de Minembwe ou autre est un détournement de la loi et une corruption des règles. Le gouvernement, à la suite du Sénat, avait relevé la violation de la loi dans la création de ces communes. J'ai dirigé les travaux, rien ne justifie la création de cette commune, a-t-il martelé. Le président de l'ECIDE, Martin Fayulu, n'est pas resté indifférent à cette situation. Dans un tweet, il écrit: « Je demande aux Congolais de s'opposer à l'instauration des Minembwe en commune rurale. Cette initiative téméraire est une sérieuse menace à l'intégrité territoriale de la RDC. J'invite le peuple congolais à la vigilance de manière à faire échec à ce plan de balkanisation du pays », a-t-il écrit. Parlons économie à présent. Peut-être que la Banque centrale du Congo est sur la voie de la transparence. Sur son site internet, elle vient de dévoiler son rapport d'audit financier de 2019. C'est une première, renseigne plusieurs sources. Suivez. La Banque centrale du Congo a publié ses états financiers 2019 sur son site internet. Une première renseigne plusieurs sources. On y découvre toutes sortes de bizarreries comme les sous-comptes créditeurs du compte général du Trésor qui est déficitaire. Le compte général du Trésor était dans le rouge au 31 décembre 2019. Mais ce rapport permet de découvrir l'existence d'une trentaine de sous-comptes créditeurs, eux qui auraient pu servir à combler le déficit, comme celui intitulé « Appui budgétaire Union européenne » sur ce compte dorment plus de 50 millions de dollars. Or, le dernier appui de l'Union européenne remonte à 2010 et il était à peu près de ce montant. Dans ce rapport d'audit, on apprend également que la Banque centrale congolaise s'est endettée auprès du Rwanda pour un peu plus d'un million de dollars et auprès du Burundi pour plus de 4 millions de dollars, sans qu'on sache depuis quand ces dettes ont été contractées. On découvre aussi que l'hôtel des monnaie qui imprime les billets congolais mais aussi les documents spéciaux à de nombreux créanciers. Des ministères comme celui de l'enseignement primaire, des fonds publics comme le fonds de promotion de l'industrie ou encore de deux provinces sur le 26 qui comptent le pays comme celle pourtant riche du Haut-Katanga. Signalons que c'était une exigence du Fonds monétaire international qui demandait plus de transparence au pays avant de négocier. Jean-Jacques Lumumba, ancien banquier qui a déjà tiré la sonnette d'alarme sur l'état financier des plusieurs banques du pays, n'a pas manqué d'analyser ce rapport peu explicite de la Banque centrale du Congo sur les ondes de la RFI. Suivez.
Le rapport est très peu explicite sur beaucoup de points, sur beaucoup de questions et n'arrive pas à expliquer les raisons de plusieurs variations. Concernant par exemple les créances auprès de l'hôtel de monnaie, on ne fait que voir des chiffres, mais on ne sait pas le but pour lequel ces différentes entités ont eu à contracter des créances auprès de l'hôtel de monnaie, s'expliquer par quels clients, par quelles opérations. Donc c'est un rapport qui parle très peu. Et surtout qui n'est pas fait pour les personnes non initiées à des pratiques et à des opérations bancaires au sein de la Banque centrale du Congo. Il faut dire que c'est déjà une bonne chose qu'on puisse avoir un rapport qu'on n'avait pas depuis plusieurs années, mais d'un point de vue de contenu, il y a beaucoup à redire parce que c'est un rapport qui parle très peu, qui est très peu explicite. Éducation dans ce journal. Désormais à l'école primaire catholique, tout enseignant doit être un catholique pratiquant. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, l'a dit à l'occasion de la cérémonie d'inauguration et d'installation du nouveau douanier Sainte-Gêne dimanche. Plus de détails avec Philippe Vompi. Suivez. Tout enseignant doit être un catholique pratiquant, car la catéchèse figure dans le programme scolaire dans toutes nos écoles. On ne peut pas accepter qu'un enseignant non catholique vienne dispenser la catéchèse aux élèves, d'autant plus qu'il n'a aucune notion sur les valeurs de l'Église, dit le cardinal Fridolin Ambongo dimanche 7 octobre à l'occasion de la cérémonie d'inauguration et d'installation du nouveau doyenné Saint-Eugène de l'archidiocèse de Kinshasa à Maluku. Donc, pour l'archevêque métropolitain de Kinshasa, tout enseignant à l'école primaire de son Église doit être un catholique pratiquant et de poursuivre en promettant des sanctions. Si je rencontre un tel cas, c'est le curé et les coordonnateurs à qui je demanderai des comptes, pas à l'enseignant. On ne badine pas avec le valeur catholique, renchérit-il. Qu'est-ce qui motive la décision des Ambongo à quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021? D'aucuns pensent que pour donner l'emploi aux autres enseignants pratiquants catholiques qui dispensent des cours ailleurs. Qu'adviendra-t-il? Des enseignants non catholiques vont-ils embrasser la foi catholique? L'avenir nous en dira davantage. Autre chose à présent, le Parti de la Révolution populaire, PRP en sigle, a organisé le week-end dernier un séminaire idéologique pour le renforcement des capacités de ses cadres. C'était à la salle polyvalente Frère Henri Carolus du Centre des personnes vivant avec handicap dans la commune de Lingwala. Plus de détails avec Justine Luang. Regardez. C'est dans les soucis d'immortaliser les valeurs politiques qu'a incarné le fait Mousoloron Désiré Kabila, le parti de la Révolution populaire PRP a organisé un séminaire idéologique pour le renforcement des capacités de ses cadres sous l'impulsion de l'honorable Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Mousoloron Désiré Kabila. C'était dans la salle polyvalente Frère Henri Carolus du Centre des handicapés. Dans son mot des circonstances, le secrétaire général, prof Jean Omeonga, appelle l'assistance au développement durable des idées de Mousoloron Désiré Kabila. Après ça, n'est suivi les interventions de ceux qui ont vécu avec le fait Mousoloron Désiré Kabila et de quelques cadres du parti, notamment M. Le Congo, qui s'est apesanti sur la révolution de 1964 et le cette horreur de politiciens congolais, selon Mousoloron Désiré Kabila. Les bangonions sont bakolanda pona kobongo la mboka. Awa na niko pesa longonya mingi na PRP po eza parti eye epesa kanda ki samalamu kone kaba mosusu pokati ya classe politique. Au sortir de la salle, le professeur Jean Meunga, secrétaire général du parti, donne ici la quintessence de cette activité. Génération à génération, on a demandé au cadre d'être discipliné, on a demandé au cadre de ne pas trahir, on a demandé au cadre de se prendre en charge, on a demandé au cadre l'obéissance et le respect à l'autorité. Et nous avons au cadre que non, vous devez aussi défendre votre espace territorial par la cohésion nationale. Ce sont des valeurs que vous savez très bien que Mouzé, bien qu'il n'est plus là, et donc nous devons les soutenir et que ces valeurs soient toujours vivantes, bien que lui-même n'est plus là, paix en son âme. Donc vous savez, aujourd'hui, nous sommes très très contents, sur les plus comblés du monde parce que vous avez vu dans la salle était archi-comble, plein, 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 et qu'il y a eu des interventions de qualité des cadres du parti et je crois que tout le monde n'a pas été déçu et que vraiment nous allons continuer.
tout à fait autre chose à présent. Le congrès de l'Union de la presse du Congo, UNPC en sigle, s'est ouvert ce lundi dans la cité de Mwanda au Congo central. Philippe Vumbi, suivez. L'ego a été donné en présence de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, du ministre d'État en communication et médias, du ministre du Tourisme, du vice-ministre de l'EPST et du gouverneur du Congo central. La journée inaugurale est essentiellement consacrée à la validation de différentes candidatures et ses congrès est aussi électif. Initialement annoncé du 21 au 23 septembre à Mwanda, le congrès de l'UNPC a été reporté pour des raisons logistiques. Il ira jusqu'au mercredi 7 octobre. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Suivez. Mes étudiants, mes élèves, voyager, mes tourisme, na mikili ya poto, bisuto zawana pour na faciliter bango. Pour que bazo ba visa na bango na ndenge elongo ba facilement facilement na Kinshasa. Agence de voyage. Oh yes. Ah mais ba agence de voyage mais trop baza trop na Kinshasa. Oui, ba agence de voyage ba esco ba relia ba tumbongo. Non, et ba zali ebele pourquoi? Parce que ceux qui ont mon toyer le lo awa na tando ikena yo parce que ozali bisika vrai journal. Mensonge et yakana ascenseur. Vérité à l'escalier, mais on a confié à l'eau. Ah oui. Visso, compagnon et bandit de l'hôtel et bandit en 2010. Donc, les agences faisant 10 ans. D'accord. Dans le temps où bandit ko sunga bana ko tanga na Canada, États-Unis, en Europe, bandit se salarati. Tu bandit ko travaillé en l'ombre. Tu as pu n'apporter la télévision parce que Moussa n'a pas besoin de télévision. Il y a un moment qui va bien, il y a un message, il va aller bien en Canada, États-Unis. Peut-être moto azali bosono binonde muta somba ki bango lobby. Et kotalaka na musala na biso oyo. Ba escro ba koti ebele et koko. Ebele bazoli ya batumbongo. Ko saka batoke yaka na mbongo moto azo visa. Or que mbongo epesa moto visa te. Et lo que pesa moto visa za document. Oh, au lieu donc ça même mbongo mo visa. Non. Non. Ambassade est-ce que ambassade ko na pesa mbongo nao au ticket $1000 azu ya pesa visa? Non. Bango, bakima mbango mekutika kama sana sim. Bakolo mosala ezali biso oyo. Pourquoi mbango ekopasa moto visa te? Parce que ba dollar na yo, ba euro na yo ekopasa visa te. Mais document o loi ya migration azo senga. Pour que apesa moto visa bato bayebi ko maîtriser za biso oyo. Bino mosala mota ma lobby to bo mela mosala. Biso na ibiso kioki tozan di compagnon je suis travailler 10e année na yango na 2020 depuis 10 ans que vous existez depuis 2020 10 ans donc to bana na 2010 à 2020 tala ba agence bele botem na 2013 et 2014 15 ti ba 20 mais à l'époque na biso ta onto sala musala agence sala kate to bana ko faciliter ba to ba visa. Vous êtes conseil de visa qui okay. Ça problème. T'as un balobé le comme un commissionnaire, vous en avez besoin de besoin d'agence, moi comme néné, besoin de négocier, né agence on a besoin de pas que si ma prix les colo, qu'on a l'agence on a besoin de passer. Ah, yangonde ezo salema, et bisso ba tutuza ma agence amnene awa, parce que compagnon eza awa te pa ap, ah na chasse pa mbete eza pena place ville. Ah, ça montre que mais est-ce que ma agence on soutient ces agence mon zaliba na boka, zaliba na boka. Bisso pa pena place ville. Compagnon na Brazzaville ezali. Chef on a besoin d'engagé. Ça montre que tout le monde au niveau national, tout le monde international. À bientôt, on a qui appelle le pasteur Pirongo Mat, on a Gabon, il faut pas qu'il y ait Gabon. Ça montre que compagnon, exactement mon réputation mon malam. Pourquoi? Parce que bah pays on a tout le monde bah tout le monde. Ce que bah toi na, pardon non papa yaka awa. On a besoin qu'il n'ait pas na Brazzaville. D'accord. On peut même rabattre nos bambous quand ni précisément. Merci de nous avoir pu parce que vous allez monter à Boya. Ma question est de savoir qu'est-ce que ça va être dans votre thème. Tozali kosunga bato surtout ba étudiants na Canada, na États-Unis, na Europe mobimba na ba Chypre, ba Biélorussie, ba Chine, ba Inde donc monde entier mobimba compagnon asimbi yango parce que compagnon azala kola ya ba agence ya Arne c'est ça. Ba o wana ba mona bazala commissionnaire parce que na agence moko te na ko te poser dossier pa na izala raté. Ah bon? Oui. Nazan agence moko te oyo akoba. Alors mais c'est bon là au déposer dossier na biso non ils ont raté. Ngai ne montena na ba dossier na mangwa ba menenga dossier
Ok, na zui pourcentage na ye ngapena sel mosa na ngai visa zo mi na pese visa ye akanyi ba photo na biro na ye. Ah d'accord. Donc bosaka osaka bon. Non, oui parce que da bela ko mona yo al da jasa ni kion. Mais neko, koye ba mosale sala mutelengi. Pourquoi na kete na braza? Aya sa braza na braza ezali wo na braza na rimandingu numero 75 na kumina mungali. Non le église arc-en-ciel. Compagnie zana bachi kutu parkata munene na boso o komona photo na ngai na équipe awa na équipe kuna Congo Brazzaville. Ça montre que cruze ba chance alongu awa kumi sikona na Brazzaville. Donc bamboka o zo memba batisa bamboka nini? Bamboka o to zali komi bato zali Canada. Canada wana soki mwana zui visa na ye compagnie akutike na aéroport. Tanga komi kuna na mboka mundele. Na aéroport bazo zela ikuna. Et allonger ceux qui parlent à bas moyen parlent louer à louer les appartements n'est sans problème mais agence monsieur sous Zakuna Canada aux autres là dans chaque ville dans chaque état et na États-Unis mêmement na Chypre mêmement na Biélorussie Europe de l'Est mêmement donc partout na Tchabantene partout exactement que oh mona na ko fanda wapio non non net na Chypre wana ceux qui mona comme na aéroport bah ils cozoyer na mutuka bah même y na appartement naie ou akufanda. Na shipa. Et puis na chaque tongo azana tinaie ou zali azali kozongo na simaya sponsor la compagnie qui se traverse. Na Biélorussie na Europe de l'Est. So ya komina aéroport à Minsk. Bato na ngai onga na tinda bango pona musala oyo. Donc ngai nde moto na longola bato na tinda bato kuna pona kosala pona ko assurer sécurité protection ya bana na biso bazota na kuna. Ba ko boko so alinga na to so la boinga moto na tinda bango lobi. Ba ye ba subino. Ba meme bino na motemotena hostel na ba kuna benga ka homme hostel motemotena hostel na ye et puis okuluka ona fana assurance maladie ba ngone ba kusunga tous les besoins ba ngone ba ngone ba zakuna donc compagnon azali ami fidèle compagnon dans la joie comment compagnon dans la misère donc azali na single hour so kuna mabe komelo azali toujours na yo longo déplacement on a combien de temps pour mtobi mamboka de cause ali motuna na maliko cela ngwa bona parce que l'agence c'est belé wana soki okay kuna pour ne biso okay ngamo tunasema masolo kende kuna pana mabiki naza pour ça na voyager mvise kwa combien de temps je suis pas l'ambassade parce que baby ke soki pana ngaso asolo bien té na ko calé fungo la lobby abimi escrow visa na Europe na Chypre za 5 jours donc visa Chypre 5 jours toujours admission visa bimi admission hier pour visa Chypre c'est 5 jours na bi sûr que 5 jours na lobby visa Chypre pendant tid 5 jours il y a pamba et ko inscription admission ko ya para ay na free academic za ka mukeso 1000 usa pamba na 1000 usa tofuti yango awa mwana azali na longement na ye azali na restauration na ye azali pe na exemple na free academic na toute une année na 1800 dollars en manangai assurance maladie pe nakati wana pona shi pona ship 5 jours visa yeye suka tofuti yango li yake katani a part 1800 ma frère ni musoro fute za musoro wana za fura academique ya mwana mais o ya biso ya agence ces ana mingi te ezaka kana 1000 ya pamba nde ya bilo kona nyo ceci ça ne mais na zo biso ça dit avec 2800 dollars 2800 dollars mwana atangi inane mubimba appartement na kati frais académique na kati restauration na kati na 1000 na 2800 pamba et na 5 jours alati na malili akoti na ndeki OK ba wala billet en dehors billet sala ngana taka ba billet bisa ngol kesa ngol gravité billet en dehors billet en dehors ah d'accord to comme na Biélorussie Europe de l'Est Biélorussie est un pays européen et ça ko ta frontière na Allemagne Lituanie Pologne Ukraine ba pays wana surtout mimi na gukira ba kumona ngo ba kenda kana vyote na metro wana to sala ba démarche na 15 jours ya pamba 14 jours vous ayez 15 jours to confirmer voyage mwana ke a matinde ke e mbongo okutunga nga kombie na zo pesa ba prix ba kana na tuli pona ship na pesa ba prix ba frère na biso ezaka kana 1300 pamba ona na promotion ona Biélorussie Europe de l'Est okoko talema pa lomba sa problème 1300 par ako simbi sa mona na maboko
voilà tu refoutes encore waté mes parents n'ont aussi mis sa main dans mon amour pour 3 800 dollars. Et parents n'ont aussi mis sa main dans mes parents c'est moins et pas d'abus sauté parents à 3 800 parents aussi mis sa main et allez na assurance maladie naie frère académique est une année bon ou appartement est na 4 et puis restauration na 4. D'accord. Dira des marches, n'a pas si à monter. Ils en ont 14 jours, il n'y a pas. 14 jours. 15 jours, mon aké. Ok. Ok, bon, Canada. Canada, merci. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Date, il y a un démon. Canada, dira des marches, inscription. Et ça, le Canada, dans 2 semaines, pas de bisou. Pas de bisou. Dans 2 semaines, admission, pas de mon année. Ils en ont Québec, ils en ont. Québec, ils en ont. Alberta. Dans 2 semaines, mais Albertan est mieux que Québec parce que dans Albertan, les gens qui ont un peu anglais, ils ont un peu de moins vie, mon corps, ils connaissent que Québec. Et Albertan, l'admission est un peu crédible que Québec parce qu'il y a encore l'admission, il y a la commission surtout dans 2 semaines, surtout quand l'admission est de construire dossier, dans 2 mois, moi, je vais faire des choses parce que dans 3 semaines, tu construis dossier, tu déposes pour nous. Premier moi pour notre ticket ambassade à traiter en gros après ce visa. Donc 2 mois et 2 semaines, ils ont déjà démarché. Le Canada n'a pas de prix. Ah, merci. Merci de la question. Dès qu'il y a un pays local au Canada, les parents ou les autres qui sont écoutés au Canada, il faut que nous nous posions dans le pays. Parce que la Biélorussie n'a pas de pays, on a une compagnie à signer un contrat dans l'université. Quand les parents ont commencé à documenter, on a besoin d'un engagement dans l'université. Ah, il y a un monde. Donc, si je prends la Biélorussie, c'est un mess que ça va grouper. Donc, un compagnon a signé un contrat dans l'université. Les parents ont commencé à documenter, à part le document académique, il y a un billet 4e, 5e, 6e, attestation de naissance, un passeport, un bac, un diplôme d'état ici. Mais, Canada, les parents ont aussi un monde qui est en Canada, il faut que nous nous posions dans le monde. Azala moto a salaka. Azala na ba preuve de bien ou a prouver ambassade. Ce qui a sa na ngote. Parce que Canada zate ke ba tu bazana mambo watia batu. Ce qui par azala na ba preuve de bien te ba refe banque ba 70 000 dollars te. Biso agence. To kutina me par na ke ko fumola compte na banque moko songolo. To sai ba transaction na ningi ilongo bani. To longoli pour que to sungaka ka par document na ndenge esengeli. Pour que moi n'aie son visa. Dira de marcher là 2 mois et 2 semaines. Mbongo, et Saliboy. Para Koyana, 1500 dollars seulement. Tu as l'inscription. Et n'a de marche au. A frais de visa. N'a pas 200 dollars, 180 plus de dollars. Ce que. Ba document wana soki azana ya ngote. Ce que bisu tozo ba moto za moyen bisu tozo ko assister c'est alors que para to ko kana mi awa c'est ba document belé et c'est ba document e belé parce que na la botona loi migration ni mtozo sanga ke moi par par azo sina mana ko tanga il faut za boy les en lettre ba document ni ba conditions en lettre condition merci en l'air ka ba tozo oui bi ke na benga ko mota pile na benga mota mail parce que ba mituna nae na ko ka ke pa nayo merci beaucoup mais document za ko la para il faut za na contrat de travail. Ou être sur le service, l'été de paie 12 derniers mois, relevé bancaire, il y a plus ou moins 65 000 ou 70 000 dollars. Ah, par an. Par an. Tu t'es demandé. Tu t'es demandé. Tu t'es en charge. Ah, d'accord. Il faut avoir prouvé des biens locaux, certifié d'enregistrement, ce que tu vas faire, mais tu vas faire. Parce que l'ambassade a pu me la remonter au visa. Vous en avez quoi? Parce que Bazar n'a pas de ressources, tu as un visa. Mais pourquoi l'ambassade a pu me la remonter au visa? Parce que bateau. Va déposer un dossier que ça n'a loi immigration. Deuxième point pour le Canada et pas dans les choses qui moi n'a pas eu au Canada. Papa n'a pas eu, maman n'a pas eu à ce qu'il accompagner. Ou bien sûr, accompagner, c'est que papa n'a pas eu à ce qu'il y a un visa. Ambassade Canada ko pimela ho visa te pa nangai parce que na bini na saka secret nangai kuna ape bazui ba visa na bango bande ko nanga bolingo na bo pikiliki ya mwana mboka Nicodemu Bola atie maele sur place pona ko travailler bana na bino ba kene ko tanga na mikili ya poto yo kantsangu
Compagnon Agency Travel, Bazala Kabongo, après 3 mois, Bazala Kamo, Bangé na conférence, na Beatrice Hotel, pour na koye balolenge nini, yako travaille le sous makasi bana na bino bazwa visa, pe ba keneko tanga ki toko na Europe, Mobimba, pe na Canada, topé na États-Unis d'Amérique, olingi osala neti bandeko oyo, yokantango. C'est Final International University, l'expérience d'une vie, programme de qualité supérieure. Compagnon Agency Travel, Olingi Osala Mobembo na yo na kimia nyoso, confiance 10 ans d'expérience pour tombango pe voyager loko la ndenge. Bande kolanga bolingo pesa confiance pour témoin na yo a voyager. Soki Olingi pe tourisme okozwa visa na yo ya ofili. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Mwanda, dans le Congo central, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.